On trouve Julien Lavoie, qui est en face de moi, qui a lu en tout début d'émission son discours pour l'augure d'un temps nouveau que les auditeurs avaient peut-être déjà entendu par l'entremise d'une vidéo très partagée dans les médias sociaux où l'on voyait Julien feuille au vent, mégaphone tendu vers la foule, déclamer ton texte avec ferveur. Alors Julien, tu es étudiant en études littéraires à l'UQAM. En grève? Exactement, en grève depuis le 13 février. Et tu t'es fait connaître par ce texte, mais aussi par ton implication dans le collectif Fermaire, qui est une plateforme de création et d'échange ayant pour but de réunir les forces d'inventivité à l'échelle du Québec. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette plateforme et comment elle est née, en fait? Oui, c'est ça, Fermaire est né, à vrai dire, en même temps que le déclenchement de la grève à la FEA-UQAM, soit l'Association facultaire des arts. On est arrivé là-bas avec un manifeste. On avait comme mission de publier hebdomadairement un collectif qui se voudrait poétique et littéraire, permettant aux gens de donner voix et créativité à la grève, soit... on voulait donner langage, puis même attiser, si on veut, le feu à l'intérieur des troupes militantes. Donc, ça a permis un vecteur, puis aussi une espèce de symbole de vitalité du mouvement, soit chaque semaine une renaissance poétique et créatrice, si on veut, là. Mm-hmm. Est-ce que c'est aussi dans cette plateforme-là qu'on a pu lire Speak Rich? Oui, exactement. Oui, Marie-Christine nous a offert son texte qui était, ma foi, qui renouvelait beaucoup, hein, Michel Lalonde. Oui, c'est ça, les liens qui sont super intéressants, justement, entre peut-être les poètes du passé et ceux d'aujourd'hui, avec vous. D'ailleurs, je sais que t'es très influencé, peut-être pas influencé, mais tu t'inspires aussi d'artistes, de cinéastes comme Pierre Perrault, par exemple, des poètes comme Gaston Miron. En quoi ces personnes-là t'influencent dans ta démarche? Pourquoi ils sont importants pour toi? Ben c'est sûr, je considère que, puis les temps présents le prouvent plus que jamais, il y a une nécessité, à mon sens, puis ça a été la nécessité impérieuse de l'histoire du Québec, soit de toujours avancer avec un pas dans l'immédiateté de sa présence, soit dans le ici, maintenant, aujourd'hui, un pas aussi dans la mémoire. Hein. Il y a quelque chose comme la nécessité d'être d'un côté et de l'autre en même temps. Donc, le dialogue, à mon sens, entre l'aujourd'hui maintenant et ces ancêtres-là, ces monuments, notre culture, finalement, notre culture qui traverse les âges, c'est une nécessité impérieuse. Puis c'est pourquoi la grève et la mobilisation, la crise, le printemps, appelons-le comme on veut, c'est pourquoi il fait sens si on se rappelait que le Québec est une histoire en soi de résistance, puis la résistance, elle existe dans le langage, langage culturel, que ce soit cinématographique, poétique ou littéraire. Les mots de nos plus grands artistes sont des mots porteurs de mémoire, puis c'est là que je trouve que de dialoguer avec ces Miron, Perrault qu'on nommait, c'est Michel Brault, c'est, bon, il y en a tant, Michel Lalonde, Marie-Christine avait réactualisé Michel Lalonde, le dialogue avec eux est une nécessité pour quelque chose d'aussi simple que la survie culturelle en Amérique. Mm-hmm. C'est tous des poètes, des artistes très engagés, donc on s'est... Peut-être la grève a réussi à nous sortir de cette espèce de dans le milieu littéraire artistique, on l'a vu dans les dernières années, une écriture au jeu très personnelle, une espèce d'autofiction souvent, ce qui a rien de mal, mais on a réussi à sortir de ça grâce à la grève. Mm-hmm. Ben c'est sûr que puis on en parlait pas plus tard que tout à l'heure. L'époque est individualisante, on le constate, on utilise les libertés individuelles pour se sortir du collectif. De descendre à la rue et de frapper sur les casseroles est une preuve de retour d'un collectif quelconque, ben on va refaire un pas de plus vers, le dialogue, soit le sortir de cette espèce de repli sur soi, puis parler à l'autre, parler aux manifestants, c'est aussi parler au passé. Donc, il y a un dialogue qui est entamé, puis espérons qu'il va être porteur de sens. Voilà. Ah ben.